Hello à tous et toutes et bienvenue sur frappstesjeux.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de la Frappe Solus d'Halo Combat Evolved Anniversary sur Xbox 360. Donc nous sommes ici sur la mission qui s'appelle De Trahison et nous avions plus ou moins fait déjà la moitié de cette mission-là, hein, tout simplement. Donc nous en sommes aux entrailles J'ai de repéré Halo. le Pillar of Autumn. Il est parti en vrille sur 1200 km. Selon les données énergétiques, ses réacteurs à fusion fonctionnent toujours. Les systèmes du Pillar of Autumn sont sécurisés et je ne peux rien faire sans l'autorisation du capitaine. On a besoin de lui ou de ses implants neuraux pour faire exploser le noyau de fusion. Plus qu'une cible. Occupons-nous du dernier générateur. C'est bien ce que je me disais. Banshee, j'ai mis... Waouh! Bon, bah en fait, je vais en prendre un nouveau Banshee, moi. Alors, est-ce que celui-là fonctionne mieux ou pas? Non, celui-là c'est mon ancien aussi. Donc ça, ce n'est pas cool. Celui-là là aussi, c'est celui que j'avais pris juste avant. Donc on va aller prendre celui qui est tout au bout là-bas. Donc je vous le rappelle, c'est là que le jeu se corse. Si vous avez vu la vidéo précédente, où il y avait la première partie de la mission. Donc on va essayer de faire attention. De toute façon, je ne sais pas trop pourquoi je prends la Banshee si ce n'est pour descendre, parce qu'on ne pourra pas le garder bien mène longtemps. À la partie suivante du canyon. C'est là que se trouve le dernier générateur à détruire. Je déguste. Et bien sûr. Waouh, mais ils sont combien là à avoir des lance-roquettes? C'est les mecs! Je suis pas d'accord avec ça, moi. Donc, vous le saurez, il faut faire attention par ici. Par contre, là, par là, nous n'avons pas trop le choix. Quoi que nous fassions, nous sommes obligés d'ouvrir la porte. Waouh, ok. Ah bah j'ai réussi à les calmer, super. Alors, celui de droite, celui de gauche. Doucement les mecs, oh. Enfin, parasite. Voilà, il va nous falloir faire attention encore une fois. Hein. Donc je pense que vous avez reconnu le lieu, nous étions déjà passés par ici auparavant. Mais bon, nous n'avions pas encore les flous de trousse. À nos trousses. Aux trousses. N'importe quoi. Et là, si vous avez des grenades, ça va être le moment de les utiliser. Oh, bonjour! We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Aucun de vous ne souhaite se relever? Avez-vous un autre mot à dire? Personne? Droite, gauche, par contre, on va continuer, parce que regardez. Oh, des amis! Je m'y attendais pas du tout, dis donc! Et les mecs, faites attention à ma vie! Non mais où? J'y tiens! Alors, vous avez de la vie ici, hein, si jamais vous en manquez un petit peu trop. On va faire le tour pour voir s'il n'y a pas quelques munitions à récupérer. S'il vous plaît, munitions! Munition. Please. Non, personne. Bon, on va faire avec, hein. On a plus grand chose pour se battre. Ça se trouve, il y aura vraiment pas assez pour les missions. Enfin, pour la suite de la mission. De toute façon, on récupérera des munitions ailleurs si c'est nécessaire. Je vais retourner voir là-bas s'ils ont enlevé les cadavres ou pas. Apparemment, oui. Je n'ai plus aucun collègue décédé dans les environs. C'est bizarre, ils ont dû passer le ménage entre temps. Peut-être les covenantes. Allez savoir. Ah non, mais je suis bête. Oui, c'est à mon avis les parasites qui ont réveillé les corps. Donc ceux que nous étions censés croiser là-bas, tous les cadavres qu'il y avait dans le coin, ce sont ceux que nous avons combattus là-bas. En fait, le crâne maintenant se trouve à peine au-dessus de nous. Et vous allez voir comment c'est joli par ici. Une seconde porte à ouvrir, attention. J'ai pas réussi à le faire en me déplaçant.
Regardez bien, vous voyez, c'est... Elles se touchent les portes, les trucs ne sont pas au bon endroit. Regardez-moi ça comme c'est joli. De nuit comme ça passe déjà bien mieux qu'auparavant. Vous voyez, ça faisait cet effet-là avant, c'était pas extra. Et là, on a vraiment un bel effet de nuit, là. Je trouve que ça rend très très bien. Au niveau de la luminosité et tout, c'est bien sympa en tout cas. Ultime périple. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. On va se planquer un petit peu, histoire de ne plus avoir le système de base. Et là, attention mesdames et messieurs. Ça se bat encore. Oh, toi, chute, hein. Eh oh, non! Ça, c'est pas cool. C'est lâche. Il est où, le Banshee, maintenant? Je vous avais pas vu arriver. Bon, de saligo. Ah, fusil à pompe. Non, mitrailleuse. Je veux du fusil à pompe. Moi, le reste, ça ne m'intéresse pas, là. Vas-y, reviens me voir. Tu vas voir comment je vais te faire la fête. Allez, vas-y, viens. Viens. Say hello to your little friends. C'est dans... qui casse, pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Donc, nous devons aller à l'eau. À l'eau. Là-haut. Mais pour cela, bien sûr, il va nous falloir trouver des banshees. Et il n'y en a pas partout. Toi, je t'ai vu, là. Je t'ai vu. Mais arrête, ne cours pas. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque part, s'il vous plaît, quelques petites munitions pour me faire plaisir, non? C'est quoi, cette arnaque? Ah, si, Needler. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours mieux que rien. Certains râleront parce que je ne prends pas de nouvelles munitions, mais on va faire avec, hein. Ne quittez pas, ça va le faire quand même. Là, il y a plein de morts, avec un petit peu de chance, je pourrais récupérer quelque chose. Lance-roquette, mais bien sûr, comme toujours, c'est pas étonnant qu'il y ait des morts. Elles sont mes munitions, là, les mecs, ouh. Ah. Des munitions de Needler, maintenant il me faudrait des munitions de fusil à pompe, s'il vous plaît. N'auriez-vous pas cela en stock? Apparemment, non. On va sélectionner un ghost. Il a peut-être fallu qu'on explose deux secondes. Alors, vous pouvez soit partir sur la droite, soit partir par le petit passage qui était ici à la base. Vous voyez, il y a deux petites lumières. Et on peut passer par ici, normalement. Ah bah non, on peut plus, maintenant. Ok, ça s'est écroulé, mais avant, on pouvait passer par là. Comme quoi, hein, tout change. Je sais pas ce que c'est que la hitbox du ghost, mais c'est pas pratique, hein. Oh, il est un peu plus loin celui qui a son tête. Ah, toi, chute, hein. Non, mais... T'es pas mouru encore? Il est partout! Non, je suis nulle part. Et toi, t'es mort. Enfin, on se retrouvera en enfer, mon ami.
Waouh! C'était joli ça. Un petit peu de vie. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Ah, des munitions de fusil à pompe. Alléluia! Bon, il me semble qu'il y en avait deux là avant. Où pourrait bien être passé le deuxième? Il est là-bas. Et c'est là que je meurs. J'imagine un petit peu. Non, c'est bon. Je l'ai eu. Bon, le but du jeu ici, c'est d'aller récupérer des banshees. Hein, pour ceux qui n'auraient pas compris, alors là, vous pouvez passer par ici normalement. En faisant un petit saut. Alors, pour les... en fait, vous pouvez monter l'avant de votre appareil en appuyant sur A en même temps. Vous voyez comment je conduis là? Hop, si j'appuie sur A, ça monte l'avant de l'appareil, ce qui vous permet de monter sur cette petite. Sur un petit promontoire, on va dire. Encore un lance-roquette, man! Enfin, un lance-roquette chose. Je crois que je lui ai arraché le bras avec le lance-roquette. Tout va bien, les mecs, je ne fais que vous tuer! Vous avez compris, le but c'est d'atteindre les banshees, on essaie de faire ménage parce qu'on peut facilement se faire abattre quand ils sont dans le coin là. Waouh! Bah, je crois que je suis mouru là. Eh bah ouais, qu'est-ce que je disais? Dès qu'on descend, on peut facilement se faire avoir en fait. Oh non, je recommence ici, c'est pas juste. Bon, on va y aller à la barbare, on va bien voir ce qui va se passer. Je veux pas mourir si jeune. Oui. Et il réussit à décoller en atroce souffrance. Désolé, je m'en vais moi maintenant. Voilà. Donc normalement, on doit aller à peine plus loin. Mais en fait, on va aller récupérer un crâne avant cela. Vous voyez, c'est juste derrière qu'on doit aller. Et n'oubliez pas ici, vous avez de quoi récupérer un petit peu de vie si jamais vous en avez perdu. Là, je suis carrément mort, ce qui fait que je n'ai pas besoin de récupérer, mais bon. Donc c'est le dernier normalement générateur que nous avons à détruire si mes souvenirs sont bons. Donc pensez bien, retournez ici avec votre Banshee et récupérez le crâne qui se trouve juste au-dessus ici. Voilà, hop, on s'arrête. On descend et on récupère le crâne. Tadam ! Et c'est l'avant-dernier crâne que nous avons à récupérer si mes souvenirs sont bons. Il n'en reste plus qu'un que nous avons à récupérer dans la toute dernière mission du jeu. Allez, c'est parti. Coucou, c'est moi. Lève là. Ouah non! Je vais crever. Non, c'est de l'arnaque là. Bon, de toute manière, vous avez récupéré le crâne, donc pas de soucis à ce niveau-là. Mais j'y crois pas, quelle arnaque. C'est bon. Je crois que je peux y aller cette fois-ci. Comment mourir bêtement? Mais je vous dis, je meurs bêtement dans ces niveaux. Et c'est ça qui est très agaçant. Bon, c'est bon, on est à fond en munitions. Il y a plein de vie, des grenades. Ok, bon, on peut y aller. Et que l'aube soit rouge, comme diraient certains. Doucement les mecs, il y en aura pour tout le monde, je vous ai déjà prévenu. Hein. Coucou! Ah non, t'as pas le droit de m'avoir de là-bas. Hein. Attends, je suis à toi tout de suite, je suis là, regarde. Tout à toi. Et voilà. Allez, et c'était donc le dernier, la dernière zone que nous avions à détruire. Donc c'est parti pour un tour, on va aller voir ce qui se passe.
Comment cela se termine? Donc je vous le rappelle, un crâne interminable dans ce niveau. Dernière cible neutralisée, allons-nous-en. Trouvons un véhicule et allons voir le capitaine. Non, ce sera trop long. Vous avez une meilleure idée? Une grille de téléportation traverse tout Halo. C'est grâce à elle que le moniteur se déplace si vite. J'ai appris à utiliser la grille lorsque j'étais au centre de contrôle. Hélas, chaque saut nécessite une importante dose d'énergie. Quelque chose me dit que je vais détester. Mais je suis sûre de pouvoir l'extraire de votre combinaison sans dégâts à vos boucliers. Inutile de dire qu'on ne doit essayer qu'une fois. Allez-y. Et ça, c'est hachement cool, parce que du coup, ils arrivent à expliquer le fait que Cortana ne nous ait pas déplacés par téléportation auparavant. Parce que du coup, c'est vrai qu'elle aurait pu nous déplacer directement dans la zone finale, enfin dans chaque générateur, vous voyez. Mais justement, ils expliquent le fait qu'il ne l'ait pas fait. Ça, c'est cool. Parce que des fois, on se dit, ouais, mais attendez, si ça existait, cette possibilité-là, pourquoi vous l'avez pas utilisée avant? Et ben là, ils y ont pensé. Bref, où allons-nous arriver? Attention. Le réseau Covenant est en piteux état. D'après ce que j'ai rassemblé, leur chef a ordonné à tous les vaisseaux d'abandonner Halo après avoir découvert les Floods, mais ils ont trop tardé. Les Floods ont envahi ce croiseur et l'ont désactivé. Les Covenants craignent que les Floods ne réparent leur vaisseau et l'utilisent pour quitter Halo. Ils ont dépêché une force d'attaque afin de neutraliser les Floods et réparent le vaisseau en vue d'un départ immédiat. Je capte parfaitement le signal du transpondeur CNI du Capitaine Keyes. Il est vivant et ses implants sont intacts. Le réacteur endommagé du croiseur cause des interférences. On va se rapprocher le plus possible. Oh, je vois! Les coordonnées doivent être... Bien, désolé. Et voilà, on va s'arrêter ici. Donc encore une fois, je suis désolé d'avoir fait la quiche. La prochaine mission, ce sera quoi? Bon, on va aller voir le titre quand même. Hein? Qu'on fasse pas les barbares. Normalement, je crois que c'est un rapport avec Keyes. Voilà, bah ça s'appelle Keyes. La mission. Donc, on se retrouvera très bientôt pour cette fameuse mission. Bon, en attendant, je vais aller jouer un petit peu à Team Fortress 2, ce qu'on m'attend. Donc, j'espère quand même que cela vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouvera donc très bientôt pour cette mission intitulée Keyes. C'est l'avant-dernière, ou l'avant-dernière? Ouais, c'est l'avant-dernière mission. Attendez que je me trompe pas. Ouais. Donc celle que nous venions de faire, c'était l'antipénultième, je ne sais plus, bref, on verra bien. En tout cas, un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur, et à ciao tout le monde, allez, salut!